Bienvenue à toutes et à tous sur Kanamarak dans cette nouvelle vidéo. Veuillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle mise à jour de l'application WhatsApp pour iPhone qui permet de verrouiller et déverrouiller l'application WhatsApp par l'empreinte faciale ou l'empreinte digitale. Pour ce faire, vous allez premièrement sur App Store. Vous allez chercher WhatsApp Messenger. Moi, j'ai déjà mis l'application WhatsApp à jour. Vous allez trouver ici « Mettre à jour ». Vous allez toucher « Mettre à jour ». Donc, après la finalisation de la mise à jour, vous allez fermer App Store et chercher l'application WhatsApp sur l'écran de votre appareil et l'ouvrir. Moi, j'utilise déjà l'empreinte digitale pour déverrouiller. Après, vous allez sur « Réglages » ici. Dans « Réglages », vous allez sur « Compte ». Dans compte, vous allez sur confidentialité, descendez tout en bas et vous allez trouver verrouillage de l'écran et touche. Alors là, vous pouvez l'activer ou désactiver comme vous voyez. Et ici, vous avez quatre possibilités, soit immédiatement, après une minute, après 15 minutes ou au bout d'une heure. Ça veut dire que immédiatement, dès que vous allez fermer l'application WhatsApp pour l'ouvrir à nouveau, vous allez soit utiliser donc l'empreinte faciale si elle est prise en charge par votre appareil, sinon vous allez utiliser votre empreinte digitale si elle est prise bien sûr en charge par votre appareil, sinon vous allez utiliser dernièrement votre code de déverrouillage de l'écran. Alors ici, vous pouvez choisir entre immédiatement, après une minute, après 15 minutes ou au bout d'une heure. Alors de préférence, il faut laisser immédiatement. Alors maintenant, vous allez quitter l'application WhatsApp. Une fois que vous souhaitez ouvrir l'application WhatsApp, vous allez être amené à utiliser soit votre empreinte faciale, si elle est prise en charge par votre appareil, comme ce cas. Je suis donc amené à utiliser l'empreinte digitale pour ouvrir, voilà. Si votre appareil ne prend en charge ni l'empreinte faciale ni l'empreinte digitale, vous allez mettre votre code de déverrouillage de l'écran. Cette fonctionnalité qui est très utile et tellement attendue par les utilisateurs donc des smartphones sera dans les jours ou les prochaines semaines disponible aussi sur Android. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à la prochaine vidéo.